simulation. Donc là, attends. Ça c'est bizarre, tiens. Joystick, ok. La seule manière de réussir est d'aller là-haut. Entre dans le bâtiment pour commencer. Oui, mon lieutenant. C'est drôle et amusant jusqu'à ce que l'incendie commence. Ok, pas de... Yo, toi, le gars qui vient d'arriver, n'hésite pas à venir... n'hésite pas à t'abonner, excuse-moi, je suis fatigué aujourd'hui. Bien, ceci est ton premier test. Ne reste pas là sans réaction. Tu connais le procédé. Trouve un extincteur et éteins ce feu. Yo, et merci pour le live. Ah bah de rien, de rien. Ne te félicite pas encore, ça n'était qu'un feu de camp. Pour les gros incendies, tu auras besoin d'une lance. Va voir au premier étage si tu peux en trouver une. La porte est coincée. Qu'est-ce que tu attends? Fonce là. Information, le jeu, je l'ai testé avant. Utilise l'outil le plus important pour un pompier. Il parle de ton cerveau, nouvelle recrue. Passe au-dessus de cet accro. Pour information, j'ai déjà testé le jeu. Il est vachement bien, je vous le conseille. C'est le nom, le titre, bien sûr, c'est pas jeu pompier. Hein. Vous l'aurez compris. Tu peux frapper autant que tu veux, mais cette porte ne s'ouvrira pas. Utilise ton Heligan pour augmenter un peu ta force. Là, je, c'est l'entraînement, les amis. Hein. Après, on passe aux missions. Beaucoup de choses à apprendre. Tu sais ce que tu as à faire. Éteins tous les feux sur cet étage, puis dégage un passage à travers les étages. À l'attaque. La lance à débit réglable est prévue pour combattre les incendies de près. L'eau est projetée en petites gouttes, ce qui permet de couvrir une plus grande surface. La lance à jet est plus utile pour combattre les incendies à distance. Assure-toi de tester et tu as l'air d'un pro. Et maintenant, dirige-toi vers l'étage suivant. Allez, c'est parti. Attention, oh. Le deuxième étage est très enfumé. Tu risques de t'asphyxier si tu ne trouves pas un moyen d'évacuer cette fumée. Est-ce que c'est toi, Luc? Luc? Moi c'est Lucas. Dépêche-toi! Tu veux laisser ta peau au milieu de l'incendie? Allez! Deuxième... Sur... Live... Le deuxième... Ah, y a un deuxième gars sur le... Ah ouais, j'avais pas vu. Bah salut à toi le gars qui vient d'arriver sur le live. Oui chef. Ok. Attends. Hop. Ok. De l'épaisse fumée noire qui se dégage. Quand on a une fumée aussi dense, il faut soit aérer la... Bien, par ici maintenant, nouvelle recrue. Un civil blessé se trouve au dernier étage. Ta priorité consiste à le retrouver et le secourir. Pour cet exercice, Cameron jouera le rôle du civil sans défense. C'est une des seules choses qu'il sait faire. J'ai entendu. Tu es inconscient, Cameron. Oui, mon lieutenant. De gaz.
impressionnant. Dépêche-toi! Aide-moi! J'ai encore tant de choses à vivre! N'exagère pas, Cameron! Hé, hey mec, je suis blessé. Je ne peux pas bouger les jambes. Tu vas devoir me porter. Évacue cet homme par le toit. Hé, hey, vas-y doucement. Aïe! Ces escaliers sont durs. J'espère ne pas rater mon déjeuner. Pas mal. Tu as même battu mon temps de quelques secondes. Peut-être que le capitaine ne sera plus aussi dur avec toi. Pas de temps pour bavarder. Retourne au premier niveau pour t'entraîner sur l'équipement avancé. Allez, descends par la corde. Les escaliers sont pour les mauviettes. Pas mal jusqu'à présent. Merci, mon lieutenant. Encore quelques exercices et tu seras fin prêt pour le grand saut. Tu vas devoir montrer ton aptitude à utiliser notre équipement hydraulique, ce qu'on appelle l'outil de déblai. Dirige-toi vers ce véhicule pour pratiquer. Tu vas également devoir apprendre à utiliser la scie rotative. Elle est là, près du mur. Lorsque tu auras terminé les deux exercices, reviens me voir. Ouais, je vais faire la scie parce que c'est le plus chiant. Voiture du capitaine! Non, je te fais marcher! Bien joué! Bienvenue à la compagnie 13. Cameron et toi, vous pouvez vous reposer. Vous allez avoir besoin de toutes vos forces. C'est Luc. Ah, ok, ça va, Luc. Ouais, c'est moi! Oh putain, fais chier. Les amis, deux secondes, je reviens dans une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas, nouvelle recrue? Tu es nerveux? Recule, Match. C'est le premier service du nouveau. Tu as fini l'entraînement, au moins. Il s'agit de l'été le plus chaud et le plus... ...de discuter et écouter. Nous y sommes presque. On nous signale une usine d'acier en feu. Il se peut que certains ouvriers soient encore coincés à l'intérieur. On y va, on sécurise le bâtiment et on ne s'expose pas inutilement. Nous devons nous assurer que l'incendie ne se propage pas. Compris? Oui, mon lieutenant. Je vais garder un œil sur le petit nouveau. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Ouais, Cameron a le QI d'une bouche à incendie et il ne s'est encore jamais brûlé. Hé, je ne suis plus le petit nouveau. C'est à lui que tu devrais t'en prendre. Tout le monde dehors. Désolé les amis, je suis là. Pile à temps, en plus je vois... On rentre dans le chargement. Oui, ça va, merci. Même si c'est au cahier, ouais, bref. Je vais bien quand même. N'hésite pas à lâcher un like, bombarder les commentaires. Surtout, n'hésite pas à activer la cloche pour les notifications. Essayez de contenir le feu hors des machines. Nouvelle recrue avec moi. On va s'occuper des pièces. On a des ouvriers coincés à cet étage. Suis-moi et fais attention. Tu ne sais jamais ce qui pourrait... Ok, je te laisse avec... le jeu. Sois sûr que tout le monde s'en sorte vivant. C'est l'heure de passer à l'action, nouvelle recrue.
par ici. Je peux pas aller jusqu'à vous. C'est hors du rôle. Je t'avais bien dit que ce serait pas pareil qu'à l'entraînement. Attendez, Wilson est toujours coincé en haut de la cheminée. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir là-haut. Tu as entendu, nouvelle recrue? Trouve-le. Par ici. Hé! Au secours! Il y a du feu partout! Faites attention, les gars, vous êtes exposés à des lignes à haute tension. Vous devez vous occuper de ça d'abord. Cherchez des disjoncteurs à proximité. Mais je ne peux pas descendre! Vite! Je ne vois rien! Il y a trop de fumée! J'allais y passer. Je sais pas trop ce que produit cette chaîne d'assemblage, mais ce qui est sûr, c'est que c'est inflammable. L'incendie est en train de dégénérer. Éteignez-moi ces machines. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous aimez bien ce genre de vidéos. Sur les pompiers, j'en ferai plus souvent, si vous voulez. Parce que là, on est loin d'avoir terminé le jeu. Technique. Oh là 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 là.
Merci. Le but, c'est de sauver les victimes. Le feu, encore, c'est pas un problème. Mais la priorité, c'est les victimes. Ça, quand tu veux faire pompier, tu le sais. Dans la vraie vie, moi, je veux être pompier. Donc ça, tu le sais. En général. Après, un pompier qui sait pas ça, c'est un peu grave. Mais bon. Mon lieutenant, on a un problème. Quel genre de problème? Vous savez, il y a un tas de gens coincés ici. Et bien, j'en fais partie. Qui se trouve en proximité? Je mène votre rue. C'est là-bas, sur le champ. Je mène votre rue, attention. Le feu a fait un feu à gaz ou quelque chose du genre. C'est pas bête. Oh, mais non. Quoi? Ah ouais, mais d'accord. Mais normalement, il y a un timing. Faut que... Oh là là. Ça va être chaud, je le sens. Dire que j'ai recommencé depuis tout le début. Yo, le gars qui vient d'arriver sur le live, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker et partager la vidéo. Et n'hésite pas à commenter en masse si t'as des questions. Ah ah, tu marres-toi, vas-y. C'est pas toi qui est en train de galérer, hein. Fait un truc, mais non, sinon ça serait de la triche et vous aurez pas vu toute l'émission. De toute manière, je suis pas sûr qu'on va faire tout aujourd'hui, hein, parce que ça va être long, c'est trop dur. Eh non, sans blague, tu remarques que maintenant. En plus, c'est des fuites de gaz, donc laisse tomber, hein, pour les éteindre, ça. Ok. Je veux pas mourir. Hé, vous, sortez-moi d'ici. C'est un ordre. Tout ça, c'est la faute de Parker. Ces stupides plans de réduction de coûts. Je m'occupe de cet abruti. Le bureau d'à côté a rien pour toi. Oh, et c'est plein de fumée. Si j'étais toi avant d'entrer, je briserais quelques fenêtres pour ventiler tout ça. Les fenêtres, petit, brise les fenêtres.
sais quoi, je vais le faire à mon niveau. Parce que sinon... Désolé les amis, hein, si je vous montre pas toutes les missions, mais... Je l'ai déjà fait ça. Moi je suis un plus haut grade, en gros. Plus haut niveau que celui-là. Ça c'est la première mission du jeu, la vraie mission. Pas l'entraînement. Pas grave. Ah non. Bon, cette fois, si tu vois des pétés dans tous les sens, c'est normal. Parce que là, la mission, elle se passe dans un musée. C'est mon niveau à moi que j'ai grave avancé. Et là par contre tu veux des flammes, et là t'en auras, hein. Ok. Allez, c'est parti pour un musée. Je te laisse avec la cinématique dans quelques minutes. Regarde, je crois que je suis venu ici quand j'étais en CM2. Par ici, suis-moi. Salut mon gars, ça va? N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Bombarde les likes. Et je... Oh putain. Très bien, reste calme. Je vais essayer de... Ça va Léandre? Joyeux Noël en retard Léandre. Et tous les abonnés au passage. Les amis, j'ai mis le jeu sur pause 2 secondes pour vous dire que là il est actuellement 16h26 à 17h20 ou 30. Je passe dans le salon Fortnite pour tout simplement jouer avec des abonnés ou voilà pour
pour jouer avec eux si vous voulez. Voilà. À 17h pile ou 20, comme vous voulez. Je vais pas éteindre le feu ici parce que sinon... Ah bah je suis obligé. Bien, maintenant descends de là et aide-moi pour la prochaine pièce. Ouais Gladio, tu vas bien? Ça va? Ok. Bah moi là de suite, comment te dire que moi il s'est arrêté il y a pas longtemps et je vais aller racheter une carte dans pas longtemps là.
Un gladio. Je suis en live sans jet de pompier là. Bah je crois que... Attends, j'ai le PS Plus gratuit là, non? Attends, je vais tester.